Celui qui a géré doit s'attendre à rendre compte. Lorsque vous gérez, vous ne devez même pas avoir peur à aller rendre compte et à aller vous expliquer. Bon, là, c'est le comble. C'est le débat qui me fâche, moi, personnellement, parce que, vous voyez, en son temps, Yahya Boni avait demandé, l'ancien président, bien sûr, avait demandé la levée de l'unité de beaucoup de députés. Est-ce que ça a été fait? Moi, je l'apprécie. J'apprécie. Si quelqu'un a volé ce pays, il n'a qu'à le répondre. Moi, j'étais content lorsque j'ai attendu ça. Parce que nos dirigeants, ils ont l'habitude de jeter notre argent par le fenêtre. Moi, je connais des ministres, partout où ils ont passé, c'est le feu. Quand ils gèrent, quand ils volent, ils ont l'air technique pour brûler la maison. Oui, monsieur le journaliste, ça c'est une sélection. Ça c'est une grande sélection. C'est ça qu'on appelle une grande sélection. Et José Mourinho contre et Guardiola. C'est des gens, on a dit que c'est des honorables. Ça veut dire que c'est des gens qui sont dignes. Hein, on ne les a pas envoyés là-bas pour rien. Donc c'est des gens qui... C'est après des gens éclairés, tu vois. Ils doivent donner le bon exemple. Ce n'est pas de les mettre en prison qui est nécessaire. Mais s'ils ont volé là, tout ce qu'ils ont volé là, ils n'ont qu'à payer. Il y a une machine agricole au Koulon là. Il y a Chola et Maria Greta, le actuel ministre, Saka Lapia. Il est là. Et il sait pourquoi il est là. Pourquoi nous ne faisons pas judo, on ne fait pas des sélections. Ça, nous, on ne fait pas des sélections au Bénin. Mais c'est le propre du Bénin. Nous savons, c'est le propre du Bénin. Quand ça ne va pas, pour moi aujourd'hui, je crie au diable. Mais si demain je suis dans l'autre, quand ça va, je dis ah ouais, c'est ça, c'est le propre, ça n'étonne pas. Que le président actuel demande des comptes. Parce que lui-même, quand il va partir, les gens vont lui demander aussi des comptes. Si je suis à la place de ces députés et qui ont la tête du pays dans leur poche, c'est eux-mêmes qui doivent se lever et dire « Levez-moi l'humilité parlementaire pour que j'aille se répondre, aller se justifier de mes actes. » Oui, en ce qui concerne la levée d'humilité parlementaire, moi j'attends voir. Hein. Aux intéressés même, s'ils ne se reprochent rien, de lever la main pour voter oui. Ce qui fâche, quand on voit les députés pour lesquels on demande la levée d'humilité, on ne voit qu'un seul camp. C'est ce qui est dommage. C'est de façon méthodique. Les gens qui sont là maintenant, c'est des gens réfléchis, des gens organisés. Ils sont réfléchis, ils sont méthodiques. Ils ne sont pas, il ne faut pas du n'importe quoi. Moi, je suis un centriste. Quand le chef de l'État fait bien, je parle. S'il ne parle mal, je dis ça. Moi, je suis. Nous sommes en démocratie, c'est pour cela que moi, je parle. Et on ne peut pas laisser le pays continuer comme ça. Si je suis à la place de ces députés-là, j'accepte. Lève-moi l'humilité pour que j'aille répondre. Et que Talon revoie encore sa copie par rapport aux autres dossiers qui fâchent. Parce qu'il est élu à cause de ces dossiers-là. Mais on ne le voit pas. Si Talon veut bien faire, il n'a qu'à penser des deux côtés. Merci.